Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Bienvenue encore une fois chez Supreme Automobiles, Mercedes. En effet, Supreme Automobiles et Mercedes-Benz se sont donné le défi de révolutionner l'industrie automobile en République démocratique du Congo dans le secteur du transport en commun. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous présenter nos deux leaders et visionnaires. En premier lieu, nous avons notre président fondateur et visionnaire, M. Arish Jaktani. Avec plus de trois décennies dans le continent africain, plus précisément en RDC, Arish Jaktani est un philanthrope, un visionnaire, un leader fort en l'encouragement, l'amélioration et la responsabilisation de son équipe. M. Jaktani est un produit du travail acharné, de la persistance et de la persévérance. Un Congo qui fait de lui aujourd'hui marque déposée en République démocratique du Congo. Avec des sociétés comme Cerber, Modern Construction, Hachi Hospital, Hachi Pharma, 76 Tours and Travels, tous ces exemples de réussite dans leurs domaines respectifs font de M. Arish Jaktani un modèle de succès. Et nous avons aussi notre vice-président et cofondateur, M. Sachin Vidyani. M. Sachin est un homme d'affaires axé sur le succès, un chef d'orchestre doté d'une perspicacité hors pair qui, grâce à une équipe solide, continue de maintenir ce navire à flot. Avec plus de trois décennies d'expérience en République démocratique du Congo, M. Sachin est l'épine dorsale de cette entreprise. Grâce à son raisonnement logique, son sens aigu des affaires, sa pensée analytique, il a contribué et continue de jouer un rôle majeur dans le succès du groupe d'entreprise Agi. Voilà pour nos deux leaders et visionnaires. Mais, à présent, revenons à pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons commencé par répertorier les besoins de l'heure dans la population de la République démocratique du Congo dans le secteur du transport public. Les problèmes d'embouteillage dus à des pannes soudaines des vieux véhicules ont besoin d'être traités. Nous avons besoin de gagner plus de temps en se déplaçant et la sécurité de nos proches ne devrait pas être en contrôle. Nous avons besoin d'un environnement sans pollution pour une vie plus saine et se déplacer sans fracas dans nos vies. Et pour répondre à ces besoins, nous avons ici, pour vous, la solution. Nous sommes Supreme Automobile Mercedes-Benz. La population de la RDC avait des besoins et Supreme Automobile et Mercedes-Benz ont répondu présent. Notre apport pour la population de la RDC sont un mode de transport confortable et sécurisé, des pièces de rechange disponibles en République démocratique du Congo, un environnement sans pollution, des meilleurs services après-vente, l'assurance de déplacement paisible et sans tracas, le meilleur rapport qualité-prix, enfin et surtout, la création d'emplois pour plus de 500 personnes résidant en RDC. Nos propositions de vente qui nous rendent uniques sont nous avons des machines et équipements à la fine pointe de la technologie. Tout notre personnel a été formé par des entreprises internationales. Notre cabine de peinture ainsi que notre test d'étanchéité sont à la pointe de la technologie. Nous offrons une disponibilité de pièces de rechange à des prix imbattables et abordables.
D'options, nous offrons aussi des options AMC et CMC disponibles. Supprime automobile et ici et assemble localement le bus Mercedes-Benz à la norme, au confort et au luxe et au rapport qualité-prix imbattable. Pourquoi et comment sommes-nous les meilleurs? Nos bus viennent avec une garantie de plus de 12 mois. Notre capacité moteur est de 6400 cc, avec une puissance maximum de 230 chevaux. Titres et qualités respectives. Voilà, nous y sommes. Supreme Automobile vous présente l'usine d'assemblage de carrosserie de bus Mercedes-Benz en République démocratique du Congo. Je vous remercie. De la République démocratique du Congo. Permettez-moi de commencer par dire que ça fait 30 ans, Excellence. C'est donc normal que les instruments aient pris de la rue. Je voudrais que nous puissions encourager les musiciens qui n'ont pas attendu 30 ans pour établir une instrumentation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre ici représenté, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame et Monsieur les bourgmestres des communes, Monsieur le directeur général du groupe AGI, Monsieur Claudio Sidman, CEO de Mercedes-Benz. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, à son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici présent, a engagé la République démocratique du Congo dans une série de réformes visant la refondation de l'État congolais. Parmi ces réformes, il y a la requalification des politiques publiques du secteur productif et porteur de croissance. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes hommages mérités à votre Excellence pour avoir identifié le secteur de l'industrie comme l'un des moteurs de développement et de la croissance inclusive et résiliente de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consistant à l'inauguration d'une usine de montage, une gamme d'automobiles, s'inscrit donc dans la droite ligne de votre vision, celle de restituer à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons encore vive à l'esprit l'ampleur des dégâts matériels que les différents événements malheureux et tragiques des années 90 ont causé à travers le pays, spécialement dans le secteur de l'industrie. Les pillages des biens et des unités de production ont plongé le pays, surtout la capitale Kinshasa, dans la désindustrialisation. Nombreuses usines qui fonctionnaient
ont dû fermer leurs portes et la plupart ont été délocalisés en dehors du pays. Les statistiques ont renseigné qu'il n'a resté près que 525 industries lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême contre plus de 9600 unités industrielles à l'indépendance. Soucieux de matérialiser la vision qui est la vôtre, Excellence, le gouvernement, dirigé par son Excellence Jean-Michel Samaroukoni, s'est activé à la refondation d'un État moderne avec une économie émergente à travers le plan directeur d'industrialisation adopté en Conseil des ministres en juillet 2021. Ce plan, comme vous l'avez rappelé dans votre premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, dit le Congo en 6 espaces industriels, chacun d'eux ayant une orientation industrielle suivant les profils économiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de redonner à titre illustratif à la commune de limiter sa vraie identité des zones industrielles. Que sous-attend les nominatifs limités industriels et ce, en dehors de la politique des zones économiques spéciales, industrie nationale taïwanaise d'automobile, les Grandes Nissan, General Motors, Renault, Cyclo, dans les montages des vélos et tant d'autres mains qui, presque toutes, ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellence, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense, celle de voir ce secteur qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise, enfin relancé au regard de ce qui va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale, et ainsi ramener des devises au pays. La facture d'importation, comme vous l'avez cessé de le dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. C'est là que le plan directeur d'initialisation propose, sous votre leadership, un nouveau modèle économique basé sur la transformation locale par opposition à l'ancien modèle économique tourné vers l'extérieur favorisant la fuite des capitaux. Ainsi, et à saisir la mesure des enjeux et des défis, le gouvernement tient fermement à capter les différents marchés tant intérieurs qu'extérieurs pour récupérer les devises en faveur de notre pays et ainsi accélérer son émergence. Ceci passe par la vente, comme vous l'avez si bien suivi à travers la vidéo, des bus et autres types de véhicules de la Société suprême automobile qui compte mettre à la disposition des consommateurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des produits désormais made in Congo. C'est ici enfin pour moi l'occasion de saluer et d'encourager le groupe HJ qui, à travers les activités de son usine, va créer beaucoup d'emplois avec l'assemblage des véhicules ici à Kinshasa, des marques Mercedes-Benz, la fourniture des pièces de rechange, et beaucoup d'autres gammes, telles que cela vient d'être dit tout à l'heure. Président, avec l'expression de mes hommages déférés, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ici représenté par le Président intérieur, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, devant le gouvernement et chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le manager du groupe HJ, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités du protocole observé,
À l'entame de mon propos, il me paraît plus indiqué rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les hommages les plus différents, non pas en guise de formule protocolaire, mais pour célébrer sa vision dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Je tiens aussi à vous remercier tout distingué, chacun en considération, pour la promptitude avec laquelle vous avez tenu à honorer la République en acceptant de l'aussi de votre présence dans la manifestation de ce jour, consacrée essentiellement au lancement par la plus haute autorité du pays de montage de bus Benz à la République démocratique du Congo. Sauf également à moi, l'occasion de saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, dans sa détermination à matérialiser sans désemparer la politique gouvernementale globale par des actions sectorielles concrètes. De même, faille-t-il exprimer toute ma gratitude différentes autorités ici présentes ou représentées qui n'aménagent aucun effort pour accompagner, chacun dans son secteur, la vision claire du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la journée d'aujourd'hui rentre dans les annales indélébiles de l'histoire de notre pays, car sans nul doute, vous écrivez en lettres d'or un chapitre clé dans l'histoire de tant de l'industrie que de transport en République démocratique. Prenant en compte surtout les caractères essentiels du déplacement de la population, notamment par bus, dans notre pays en général et dans la ville province de Kinshasa en particulier. Dans les deux de votre autorité incarnée par le peuple d'abord, qui paraît comme un identifiant de votre action politique, vous avez clairement instruit mon ministère dans le sous-secteur routier de changer de paradigme par le déploiement des bus transport à travers les provinces. Cette instruction, il fallait associer la politique canalisatrice devant permettre sa pérennité, ce qui revient à exiger la disponibilité permanente des bus, chose désormais garantie. Il est certes vrai que la Société Suprême Automobile n'a pas vocation à ne monter de bus que pour l'établissement de bus transport, mais il faut relever déjà la priorité que ces derniers en est déjà un des principaux bénéficiaires. Selon Monsieur le Président de la République, ils vous souviendront qu'à l'avènement de votre haute autorité à la magistrature suprême, mon ministère a conclu avec CRR du groupe HG un contrat de commande de 230 bus en faveur du transport qui devrait être monté localement à Kinshasa en accordant, bien entendu, un certain nombre de facilités à cette société. Dans la phase pré-expérimentale, Excellence, Monsieur le Président, quelques bus de transport sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la Société Suprême Automobile s'employera à renouveler le chariot automobile de tout le vieux bus et taxibus existant à l'Union démocratique du Congo. Je l'ai déjà dit, mais je me permets d'insister. Suprême Automobile est ouverte à toutes les commandes, locales, nationales et étrangères, mais Transco en tirera de grands avantages. Pour preuve, les entretiens et réparations seront effectués sur place et sans frais durant toute la période d'essai, ce qui permettra la réalisation des économies non négligeables. Par la cérémonie de ce jour, toute la politique publique en matière d'achat des bus vient d'être revue et corrigée. Voilà pourquoi, depuis notre prise de fonction à la tête du ministère des Transports, voie de communication et des environnements, nous nous inspirons de ces modèles en exigeant les divers partenaires qui frappent à notre porte pour proposer des bus d'installer plutôt des usines de montage au Congo avec un filigrane tous les effets induits. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un jour d'action et non pas de parole. L'action consiste pour votre très haute autorité à doter le pays de cette usine qui redonne à la commune de Limité qui nous accueille son caractère industriel. Avec l'expression de mes hommages les plus
réitérer, je vous remercie. A procédé à l'inauguration de la première usine de montage des véhicules Mercedes-Benz. Ah, la ville a joué de l'autre les affaires. Il ne faut pas me déranger quand même. Bon, pendant la tête, ambassadeur, je suis maintenant en Afrique. Il a libéré l'Afrique.